T'es encore là, toi, Torov là. T'as l'air d'aimer ça, hein? Oui. T'aimes bien te faire peur. Bon bah, ça tombe bien, on va continuer de faire des rushs dans The Beast Inside. Bon allez, en route. C'est pas le tout de plaisanter, on va retourner dans The Beast Inside. Troisième session rush. Je vais essayer de savoir où c'est que j'en étais, parce que je me rappelle plus du tout où je me suis arrêté. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire entre temps. Et du coup, c'est pas très très évident de gérer tout en même temps, quand on est un mâle, alors que les femmes y arrivent si facilement. Quelle injustice. Ah, nous y sommes. Ah bah je sais où nous en sommes. Alors je vais vous faire un bref résumé, puisque entre la scène précédente du stream précédent et celui-là, bah il n'y a pas eu grand-chose qui est arrivé. Je me suis réveillé dans ma chambre. Oui, parce que vous avez bien vu, j'étais dans la maison quand on est arrivé avec Chéri. Et il s'est passé pas mal de péripéties, y compris cette partie fabuleuse de Carton Simulator 2019. Et donc, par je ne sais quel truchement, il m'est arrivé un souci et je me suis retrouvé à me casser la gueule et à me trouver dans la maison, mais à une autre époque. Et c'était pas très cool. Et là, on se retrouve à nouveau in the present days. J'en saute de joie, c'est magnifique. Alors je vérifie mes commandes, qu'est-ce qui se passe? On s'en fout des cartons, man. Je veux plus toucher un seul carton, j'en ai marre. C'est nul. C'est nul, c'est moche. T'as une sale gueule, tu es laid. Et on va y aller. Alors, est-ce que le son est bon pour vous? On va le savoir très vite. Ouais, ça devrait être pas mal. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais check mon. Je vais montrer le journal à Emma, elle trouvera ça peut-être intéressant. Et je vais donc commencer à nouveau le stream par. Chérie! Où y es-tu? Mamie! Mon amour! Ma chère et tendre! Ma si fabuleuse! Qui a rien foutu pendant que je dormais d'ailleurs. Oh là 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 là! Elle est pas mieux que moi, cette meuf! Non, cette table, plus jamais je ferai un truc avec cette table. Je vais prendre cette clé à molette au cas où chéri soit pas d'accord avec mes arguments. Vous comprenez? C'est important. La 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 la. Chérie! Comment ça je me comporte comme un psychopathe? Pas du tout. Vous voyez le mal partout. Honey, you won't believe what I found. Hey, Emma, can you hear me? Regarde cette clé. Emma! I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this. Power is out, by the way. Diary. What? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? D'accord, chérie. Elle est pétard, je crois. Ce soir, ceinture. Je vais vous remonter un petit poil le son, je pense. Hop là. Hop, ça devrait être tout bon. Les fusibles, où sont les fusibles? J'ai pas trouvé où c'est qu'elle m'a dit que quoi, les fusibles, ils étaient où? Non, pas ce truc sur les femmes enceintes, ça fait trop peur. Bah oui, c'est un jeu d'horreur. On n'est pas là pour la déconne. Je passe pas là, zut. Chérie, il me faudrait des clés. Caramilla, tu fais la gueule? Tu fais la gueule? Petit câlin? Grou grou, grou grou. Non, bon, ok, ouf, elle fait vraiment la gueule quoi. Il en faut peu hein, pour que ça fasse la gueule, ces petites bêtes. Je vais juste check ceci. Lui monter le journal, mais le journal, elle s'en fout, elle fait la gueule. Chérie, je vais me prendre une tarte. Chérie, tu... Non? Ok, je vais m'occuper des fusibles, je pense que t'es énervé là. Je sais pas quel jour on est, mais j'ai une petite idée.
Faudrait que je trouve des fusils déjà. She sounded like it took a piss on a mother flower bed. C'est à peu près ça, ouais. It's closed. But the cave is open comme par hasard. Donc faut que j'y retourne. J'ai pas très envie. Squeak. Est-ce que j'ai toujours mes allumettes sur moi? Ah ah ah, plus du tout, elles étaient valables dans l'autre époque, mais là que dalle. Sneak. Sneak. Allez dans le tout noir. Si tu veux aller au basement, il faut aller bien sûr au grenier. Vous ai-je dit que le jeu était un poil trop dirigiste à mon goût? Oui, d'accord. Bon, dans le grenier, je vais faire une belle découverte encore. Pourquoi me redemande pas une clé parce que ça va mal se passer, bonhomme. Vas-y, Belly. Hop. Hop. Une lampe de poche dans le grenier. Oui, parce qu'il est gros et pas très intelligent. Non, c'est trop moche, ça. C'est assez inutile. C'est... useless. Est-ce qu'elle est toujours là-haut, ma hache? C'est la question du jour. Ouais, ouais, je la vois. Je l'entreaperçois. Est-ce que je refais la blague à chérie? Oui, parce que je suis plein de blagues, moi. Donc là, ça doit être un objet super important. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est ce qu'on voit au début. Hein. Au début du jeu, on a une scène où je suis avec cette hache. Bon, on sait pas que c'est moi. Mais je suis là et... ben voilà la lampe. Maintenant, il va falloir que je trouve les piles. Et je me rappelle à peu près du tiroir dans lequel j'ai croisé des piles, je vous le dis. Hein. Quoi? Il me demande même pas des piles? Trop de sympathie. Oui, cette hache doit être très importante parce que... Parce qu'elle doit être très importante, c'est tout. Là, c'est où j'ai trouvé la boîte avec le disque de décodage. Est-ce que j'ai le droit de descendre avec ma hache? Ce sera la question du jour. Boum, 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 boum. Alors, pour ce qui est des piles, il me semble que dans ces tiroirs... T'énerve pas. Elle va gueuler encore. Dans ces tiroirs, j'avais trouvé un tiroir plein de piles. J'aimerais bien qu'il me les compte. Bienvenue dans IKEA Simulator 2019, le compagnon idéal de Carton Simulator 2019. Ah, qu'est-ce que je disais? On peut pas les prendre? Ok. Alors, vous savez que je suis très très rigoureux sur la logique et les jeux vidéo. Et moi, on me dit, tu chopes une lampe de poche pour me dire dans 10 minutes... Tu n'as plus de piles, ça va tout s'éteindre. Alors qu'il y avait des piles ici, vous allez m'entendre hurler. Je vous le dis tout de suite, les cocos. C'est pour ça que j'ai pris une hache. Parce que j'ai pas l'intention d'être tout seul à hurler. Comment je m'en sers de ma... De ma... Il veut pas, hein. Ma lampe de poche. Je voudrais bien l'utiliser, gars. Toi, t'as pas trop envie que j'utilise, quoi. T'es plutôt du genre à te foutre un peu de ma tronche, non? Il y a des logiques d'interface qui parfois me perturbent. Bon, j'éclaire pas, j'en ai rien à foutre. Non, j'ai dit que j'en avais rien à foutre. Alors. God's sake. Petit joueur, mais quel petit joueur. Les fufus, les isibles. Où sont les fufus, les isibles? T'as pas trop envie, je la trimballe, ce truc, toi. En tout cas, elle est lourde, hein. Elle est très lourde. Les fufus, les isibles. Vas-y, arrête de répéter ce que je dis, couillon. Where are fusibles? Where are fusibles? Where are fusibles? Regarde le journal. Bon,
On va prendre ce hachoir. Non. Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Maybe there's a spare fuse in the shed by the house. Ok, donc on va aller dehors au cabanon à l'extérieur. Mais normalement, je n'irai pas sans avoir préalablement eu un. Un ou deux peut-être. Quoi, j'ai pas un scar jump ici? C'est une tristesse. Vérifie si j'ai pas d'autres trucs à emporter, hein, ça m'évitera de revenir. Apparemment non. Allez, cassos. Oui. Je vais reprendre ma hache parce que je l'aime beaucoup. Jamais sans ma hache. Et le cabanon, il est plutôt, il est plutôt, il est plutôt, il est plutôt. Plutôt c'était le chien. Il y en a deux qui suivent, bravo. Squeak. Oh, j'ai toujours ma pince ici. Mais je vais prendre ma hache, je préfère. C'est tellement plus glamour une hache. And the cabanon is near. Oh, le petit oiseau qui gassouille si merveilleusement. Auf der Baum. Il est plutôt par là-bas. Je sais plus trop où il est en fait. Là-bas. Peut-être. Pas sûr. Non, je crois que ça c'est le. Oui, c'est le grillage ça. Cabanon. Où y es-tu? Il est là. What did happen here? The portail is jammed. Oh, le rebond de... J'ai failli me la prendre dans la tronche. C'est super dangereux. Faites pas ça, les enfants. Oui, j'en profite pour caser la minute éducative. On ne jette jamais les haches. On les pose. C'est important. J'arrive pas à rentrer dans le cabanon. Do you believe? Et je crois que j'ai un problème de clipping déjà, là. Ah. Je me suis fait clipper. Mais pas clipper au sens sympa du terme. Clipper, genre, là, le joueur est bloqué. I don't know why. I don't know why. Alors là, je ne touche rien et voilà ce qui se passe. Je crois qu'il est en train de faire des spasmes, mon joueur. Crise d'épilepsie. Pilule dans la voiture. Bah oui, mais bouge. Bouge, man. Fais quelque chose. Ah, ah, ah. Enlève cette image. Il n'y a que moi pour trouver tous les bugs dans les jeux. C'est pas possible. Vous savez ce qui va se passer? Oui, je vais quitter. Je vais relancer avant même de m'énerver. Parce que je suis quelqu'un de très cool. Jusqu'à maintenant. Mais là, non, c'est juste pas possible. Oh, je veux faire l'amour avec ce portail. Oui, oh oui. Ah, ouh, ça vient. Attends, je suis sur Twitch là, je vais faire bloquer le compte. C'est pas moi, c'est le jeu. Regardez, c'est le jeu. Hi, chérie, regarde pas. Hi, mais pourquoi? Oh la vache. Je respire. Y a pas un sac en papier, s'il vous plaît. Ce jeu fait vraiment peur, quoi. Ah purée, je suis sorti, dites donc. Magnifique. Mâche. Give me back my ex. Je l'avais jeté là-bas devant le portail, je crois, de toute façon. Ok, ok. Je peux pas rentrer par le bench principal, c'est bizarre. Il y a du son en plus. C'est d'autant plus bizarre, quoi. Utiliser. Oh fuck. J'ai une hache, je pourrais massacrer ce truc, quoi. J'ai failli me la reprendre dans la gueule. Je me la suis reprise dans la gueule. Ok, bon, il y a peut-être une autre issue de ce côté, là-bas. No lo sé, muchacho. Pourquoi ça a une drôle de couleur, ça? C'est pas si vif, un arbre mort, amigo, hein. C'est pas si vif. Comment ça, monsieur K, tu critiques tout? Bon, écoutez, hein. Bien le tour histoire de rallonger, quoi. Alors il y a un truc que je peux dire déjà sur ce jeu, c'est
j'ai vraiment l'impression que tout est fait pour rallonger artificiellement des choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être. What the frag, on dit. Eh oui, jeune Padawan. Oh, encore une hache. C'est pas ce qu'il va manger. Where did all the blood come from? Ben, de... Je sais pas, moi. A shirt covered in blood. Why would Emma bring my old stuff from the office here? Parce qu'elle a un petit peu pété du casque, ta femme, enfin. T'avais pas remarqué? Alors voilà, j'ai un localisateur trontique, ok. On souhaite du coq à l'âne, tranquille. Ok. Eh ben, prendons donc, hein. Merci. Je préfère avoir un gros flingue. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, mon bon ami. N'en demeure pas moins que j'ai besoin de mes petits fusibles, moi, sinon Babon elle va gueuler et ça va pas être cool, quoi, parce qu'elle tire déjà une gueule de 10 pieds de long. Et moi ce soir j'aimerais bien m'amuser un petit peu. Oui, j'ai amené une boîte de Scrabble. No way to have the... Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Sure. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Vous m'excusez, je suis un peu rouillé, les QTE. Les QTE, ça fait 10 ans facilement que j'en ai pas fait. Oui, je suis pas très fan du QTE dans les jeux. Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Huh. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. Donc plus rien à faire de des fusibles, c'est pas grave. Field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. En pourcentage. C'est pas très 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 très... C'est pas très fly. Je fais un peu au pifomètre hein, pour m'habituer à l'engin. Là, mais ça se referme pas, ça veut dire que... Faut que je me rapproche. Ok. On va faire ça, hein. I should follow the localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go, and the numbers the distance to the nearby cloud. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud, and I need to scan it. Je vois absolument pas de nuages, mon coco, mais c'est pas grave. Signal must be coming from this place. Now I just have to use the scanner on this cloud. Hmm.
Equalizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Chérie, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Souris, c'est pour la caméra. Il y avait un peu de pourcentage. Bah, elle est partie de toute manière. Elle arrête pas de se barrer, hein. C'est incroyable ça. Soit. L'avantage, c'est que je suis dans la bonne direction maintenant. I should use the pulse to make the quantum cloud visible. Otherwise, I won't see a thing. Là. But I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralize it. Ok, d'accord, ça y est, je suis en mode Ghostbuster. There's the anomaly. Now I have to charge the localizer and hit it with a beam. Alors, lui la voit, moi je la vois pas, c'est ça qui est excellent. Tu vois où ton anomalie, Coco? C'est ouf, j'arrive pas à me servir de ce truc. Là. Ok. That should do it. I must stabilize the cloud. Ok. C'est plutôt pas mal trouvé ce petit truc. Alors. I did it. Clearly someone was here recently and used this rope. Try to find more traces. Ah, il est rigolo cet appareil parce qu'il me rappelle un peu Scanner Sombre. J'aimerais bien attraper ça. S'il vous plaît. Alors je sais pas si vous avez vu mon stream sur Scanner Sombre. C'est un jeu assez original où on vous largue dans des grottes souterraines. Sans trop d'explications, et en fait vous n'y voyez absolument rien, et vous avez le même genre d'appareil, à part que bah, là c'est lui qui va révéler votre environnement en balayant autour avec, et du coup le jeu est assez marrant parce qu'il est très original. Bon, après il manque de fond. Localizer has detected a signal. That means another quantum cloud must be near. Et du coup, bah, là, que le principe soit utilisé d'une manière similaire, mais comme élément dans un jeu, est vraiment plus intéressant du coup.
moi je saurais que j'ai une issue couchée ici. Ça bouge pas ça? Non. Ok. Froid, froid. Tiède. Tiède. Tiède plus. Tiède chaud. So much blood, and it's not even dry yet. Whatever happened here, it hasn't been long. The trail leads through that gate. I'll go check it out. Something heavy through that gate. Au moins les choses sont claires. Damn, the gate is closed. I need to look for a way around. Et tu n'as pas ta pince, mon jeune ami. Mais quel malheur. T'aurais pris la hache, ça aurait été sympa. Hein. Planks are loose. I'll try to break them out. Vous voyez pourquoi j'ai pris une hache tout à l'heure, les enfants? Vous voyez pourquoi j'ai pris une hache tout à l'heure? You see what happens when when Pff, avec une hache, ça se passerait bien mieux. Mais... Personne ne m'écoute, moi, à chaque fois, c'est tragique, ça. Should I stay or should I go now? C'est une question qui ne se pose pas. The blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Maybe someone needs help. Oui, ça doit aller là-bas. Moi, je vais aller là-bas juste pour emmerder. Bah oui, c'est comme ça en général. Hein. Ce côté serait bien. Non, 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 tu ne veux point. Ok, tant pis pour moi. Run, 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 boy. Closed.
It looks like something or someone is hanging in there. Is that... Fuck! This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in. Pauvre garçon qui n'a pas de bras. Bou. Ok, je suis au bord de la map. D'accord, bien reçu. Alors, faut que je passe vers ces 100% là-bas. Ici, je peux pas monter, c'est complètement idiot, mais c'est pas grave. Oui, mais voilà, idiot aussi. On a toujours une parade contre ça. Oui, c'est pas très malin de faire ça les mains encombrées, mais vous me connaissez. Si c'est trop simple, j'y arrive pas. La preuve. Oh, qu'elle était lourde cette boîte. Ça y est, je peux. Merci. Je ne fais que ça, mon ami. Alors, cette icône m'emmerde. Je le dis franchement. Tu as une icône où tu peux faire quelque chose, mais tu ne peux rien faire. Non, tu ne feras rien. J'ai quoi en outil, moi? Grappin, lampe de poche, clé, on s'en fout. Ok. C'est peut-être pour plus tard, on va savoir. Quelle idiotie, mais quelle idiotie, les amis. Bon, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Je pense qu'il faut que je trouve l'outil approprié dans le coin. Ah ah. Ça me semble pas avoir fait grand chose. Alors j'ai une anomalie, mais je la vois pas. Ah, là-bas. Ça, c'est quoi ça? Alors le truc semble bouger, c'est ça qui est bizarre. Yeah.
Je l'ai eu, je crois. Que dalle, il doit en rester une, je pense. Hop, 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 hop. Bingo. Who is he? What did he hide here? Oui, je débute en expérience paranormale. Faut m'excuser, je suis pas habitué à ce matériel haut de gamme. Alors, je peux pas. Ah, quand même. A hunting knife. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it, just in case. Bien. Entrez dans la grange. Comment ça, je vous ai fait peur en claquant des mains. Mais oh, remettez-vous, c'est rien du tout. Vous n'avez pas encore vu ce qui va nous arriver. Entrons dans la grange. Ça, c'est pas Frog Rock. Alors l'interface est à la fois un peu miteuse et réaliste, et je suis très très mitigé du coup sur ce truc là. Parce que c'est bien, mais c'est pas GGN. Pour l'instant on a que des trucs qui nous ralentissent assez gratuitement, je trouve. Avec un couteau tu vas pas y arriver, bonhomme. Hein. Je veux pas être défaitiste, mais quand même. Est-ce que j'ai une petite issue par là? Bah ben, voilà. Snip snip. Et pour la petite dame, ce sera un autre steak encore. Allez hop. Et il a remis son crayon en papier derrière l'oreille. Oui, on a tous cette image du boucher artisan avec son éternel crayon derrière l'oreille. Car il n'y a que lui qui marche sur le papier sulfurisé qui évite de devrait pendre de partout sang et horreur. Qu'est-ce que je dois attraper là? Ah bah oui, ça. Alors celui-là, il m'a indiqué avant même que je le chope. Ça, c'est bien. Je suis toujours aussi bon, moi. Attention à la tête. On y va? Non. Non, on va pas y aller. Pourquoi irait-on? Alors c'est quoi ça? Il y a un cerf pendu là-bas dedans. Ok. Est-ce que je me casse quelque chose si je saute d'ici? Non, c'est prévu. Oui. Crac. Qu'est-ce que tu fais là, mon ami?
Alors c'est très bizarre, il y a un petit bip. Je sais pas d'où il vient. C'est chelou. Wait, that beeping. It's as if it's coming from the inside. Ah. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it down. Allez, on va faire ça. Hop, hop, hop. Non. Why can't I go there, man? Tell me. Ooh, it's so bad. Ah oui, ça je prends. Hop, 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 hop. Ok. On va ouvrir ça déjà. Il faut une clé. Oui, mais il y a un autre côté où il faut pas de clé. C'est juste verrouillé par une chaîne, mon bon ami, vois-tu? Oh, que c'est lourd. Oh là là là. Attention à la tête. Hop. Bah oui, mais c'est des grosses poutres. Faut faire gaffe, gars. Alors, faut vraiment les traîner. Je sais pas où. Hop là, on va y arriver. Et voilà. I could use that crate to reach the ladder and climb up. L'effet ragdoll, on lui dit pas que merci, hein. Plutôt pas mal comme ça. Splutch le cerf. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser par là, par hasard, histoire de dire qu'on n'est pas venu ici totalement pour rien? Non, ça c'est locked. Il y a beaucoup trop de zones verrouillées par clé dans ce jeu, je trouve, c'est bizarre. This is sick. I think I'm gonna puke. Remue encore un peu. Là, je sens qu'il y a quelque chose là. Là, voilà. Plus à... Plus à gauche. Là, voilà. Kizawak. What's all this equipment? And why was it in... Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there's the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house. In our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. C'est assez tordu, ça, quand même. I don't like this. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Ouh, qu'il est énervé. Ouh, qu'il est énervé. Bon, j'ai mes fusibles, apparemment. Fusible avec un dispositif inconnu. Ça n'est pas pour nous rassurer. Est-ce que je ramène le cerf pour faire plaisir à chérie?
Oui, bah c'est important de faire plaisir à chérie, quoi, parce que je voudrais pas me faire engueuler, que j'ai mis du temps encore, que j'ai fait les choses pas comme il fallait. Je sais très bien comment ça marche, ces petites créatures. Alors, on va voir s'il n'y avait pas un objet utile que j'aurais esquivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne faisons pas durer inutilement. Allez, hop. Bye bye, le cerf. Je rentre à ma maison. Sans embêter qui que ce soit d'ailleurs. Oui, je suis désolé pour Eric. Alors, faut que je regarde combien de temps on a fait. Ouh, 56 minutes. Ouais, je vais faire un petit break. C'est pas mal tenté. Je vais faire un petit break, alors. Parce que oui, c'est des rushs hein, que j'enregistre. I remember back in the day, some twisted kids in the area played with the occult. I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly, the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Alors, on va se mettre sur le seuil de la maison, puis je vais faire la petite pause ici. Je relance le stream juste après. Je vais même le refaire à vide pour l'enregistrement.